La dernière fois, parmi dans long hadith, ben droit qui est un musulman et n'a loin l'autre, c'est qui quand il demande nous conseille lui, et nous suivons avec hadith. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, ad-din nasiha, din, c'est d'un conseil, quand il gagne la question, l'iman ya Rasulallah, pour qui ça n'a, lui dit, lillah, pour Allah. Ensuite, li kitabihi, pour ce livre, wali rasulihi, pour ce messager, wali a'immatihim, pour ce ban imam, wali mu'minin, wa a'ammatihim, et pour tout ban les autres, pour tout ban les autres, jimoun. An-nasu yihalo, ça qui nous termine la dernière fois, les retourne le deux significations. N, la sincérité. Ensuite, déjà, ça qui est plus connu, c'est conseil. Quand nous guettons tous les devines ensemble, de surah al-A'raf, surtout de surah al-A'raf, un après l'autre, je vais être répété. C'est nous vous trouve quand le prophète Saleh, ou bien Shu'aib, ou bien Houd alayhi salam, cause avec ce peuple. Je dis, ou bien l'irokum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu min Allahi ma la ta'lamoun. Ou bien l'irokum risalati rabbi, mou pe amin viazut. Le message de mon Rab, ensuite dit Jésus, wa ansahu lakum. Mon conseil, je sincèrement seulement. Mon conseil, je sincèrement. Ça, c'est qualité de bon prophète. Wa arlamu min Allahi ma la ta'lamun. Et mon connaît depuis Allah quelque chose qu'ils ne pas connaît. Et pareil comme ça, même de ayat qui vient après, Allah subhanahu wa ta'ala fait nous connaître. Qui le prophète Houd dit, « Ubaldi'ukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin. » Je peux transmettre vers eux le message depuis mon Rab et pour eux, mon en nasihun amin, mon en conseiller digne de confiance. Moi, je dis qui peut donner eux conseil et je suis capable de confiance, le moins. Et pareil comme ça même Allah subhanahu wa ta'ala dit fatawalla anhum wa qala ya qawmi laqad ablaghtukum risalati rabbi wa nasahtu lakum walakin la tuhibbun nasihin. Mopé conseille mais seulement je suis pas content être conseillé. Donc ça c'est qualité de bon prophète avant. Sans aucun doute, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, et d'ailleurs, il y a mené le droit d'un musulman, nous ne finissons qu'on est qu'ils font partie fortement d'ordine. Oh, donc nous retournons avec hadith là. Hadith là, j'ai nous comme ça, ad-dinu nasiha. Premier qui dit, l'Illah, pour Allah. Donc là, nous retournons le quoi? Nous retournons la sincérité de pratique de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Nous retournons la sincérité de la pratique de ce que Allah subhanahu wa ta'ala fait haut de nous et de ce qu'il fait interdit nous. Déjà, wali kitabihi, et pour ce livre, comment un djimoun les vivent avec le livre d'Allah, veut dire la sincérité envers le livre, sans aucun doute. Premier, c'est at-tilawa. At-tilawa. Le mot tilawa, la cause, nous dit, il appelle al Qur'an, mais seulement nous-mêmes nous dire, fais tilawat Qur'an. Tilawat, ce n'est pas la lecture. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit nous, wa shamsi wa duhaha wa al-qamari idha talaha. Wa shams, pas soleil. Wadouhaha, exo, clarté. Walkamari, ek la lune, ida talaha. Tala veut dire qu'ils suivent lui. Parce que comment la lune, comment le soleil y allait la lune vini. Le mot tala, yatlou, veut dire suivre. Donc, quand nous peut dire tilawat Quran, sans qu'il nous rende compte, nous peut finir dire. Nous bisons suivre ça qui nous paie, ça qui nous paie là. Nous paie bisons, nous paie finir d'y là. Tilawat Quran, tilawat c'est pas la lecture. Tilawat c'est quoi? C'est suivre ça qui te nie là. Troisième, quand nous guette la lecture, nous nous guette suivre lui. Troisième, chers frères, pas nécessaire ni en l'autre, c'est la méditation.
lo sakinun lir. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati, un livre qui nous fin descend vers toi, qui bénit, qui fait liyadabbaru, pour se faire tadabbur le souvent verset. Encore raison, apporte, suivre, mettre en pratique, chers frères et sœurs, c'est la réflexion. Le ça qui nous fin, le ça qui nous fin lire. Combien ayat, combien, chers frères et sœurs, si nous lire, nous réfléchir, et amène-nous bien loin. Quand nous pouvons dire loin là, loin avec la création, les rapproche-nous avec son Créateur. Comme ayat, si nous lire avec tadabbur, li amène nous bien loin. Depuis ban création, li rapproche nous avec ce Créateur. Et là, quand nous peut dire ayat, chers frères et sœurs, nous on peut dire ayat qui ont besoin al rodé d'un grand grand surah. Non, dans ban ça qui nous habitait dire nous ban petit surah. De sa bande tissoura là, comme une réflexion ina. Simple. Allah subhanahu wa ta'ala dit nous, Al-hakumut-takathur. Liazissaou. Arrête la main. Fais-moi le Coran. الحاكم التكاثر ما معنى كيف يجي هذا الحا ليجي ان ايلوينو ان برونو كون جي دون ليزير تو بان كيسو انيتيل كوم سي نو التكاثر غد بوكو غد بوكو شيف فريسير. Quand nous assisons nos guettés, parmi quelque chose qui m'a fait faire but, m'a fait faire objectif, m'a fait faire l'intention pour me gagner, m'a déjà inhalé la carte seulement, oui non. M'a déjà inhalé la carte seulement. Sa nouveau portable qui m'a fait penser pour cette là. Sa linge mariage qui vous mettez pour mariage, ma cousine l'autre mois là. Ça soulève que je disais là, un qui m'a servi une seule fois de la case, hein? Je disais là, frère. Je disais là. Mais seulement sa compétition qui me vive dans la vie de tous les jours, qui me disait et n'a plus, me disait tous les temps et n'a nouveau, me disait tous les temps update. Je vais rentrer dans sa compétition là. C'est pas ça qui est avec nous seulement. C'est dernier ayat de sa sourate là. Dernier ayat de sa sourate là, Allah subhanahu wa ta'ala qui dit: "Thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im." Mais j'ai dit sourate là pour qu'il commence là, get pas qu'il termine. Ça me quitte le ou au milieu qui est là. Mais seulement thumma ensuite, latus'alunna, je peux être questionné. Yawma idhin sajoura anin nahim le touban favir. Qui favir au conseil de la pécosée là? Rasul sallallahu alayhi wa sallam rapidement, une fois que il vient quitter sur la case pour la fin, les jeunes Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma disent qui quitte sur fin de la case de la case là, tous les deux disent la fin ya Rasulallah. Le bon vêtement sallallahu alayhi wa sallam dit, moi ici pareil, la fin. Quand un sahaba fin recevoir zut, fin un riwaya dit, fin d'un zut tam de l'eau, un autre riwaya dit, fin d'un zut manger, comment Abu Bakr radiallahu anhu prend ce dernier gosse, il pose ce récipient l'eau la table, parce que sallallahu alayhi wa sallam dit comme ça, thumma la tus'alunna yawma idhin anin na'im. Tu peux gagner faim. Il quitte la case à la fin. Reste-lui gagne un bousé manger.
L'étant dit, fini manger, le prophète dit à lui, ensuite tu peux être questionné le favier qui a l'un fait l'autre. Il dit, Ya Rasulallah, le safavier là, il veut dire oui. On comprend comment il était là? Je vous dis là, comme il peut écouter là, il ne cuit la case, mais c'est maintenant là, c'est manger, il n'a mené. Il ne cuit la case, il n'a pas dit pas, il ne cuit. Il cuit la case. Il fait néné. Soit maman, soit papa, un petit guide, met en bas les ailes. Elle prend du pain pour lui. Combien comment la faire? Combien il finit manger là? Comment rentre la case? Faut pas crier. Passez nous un biscuit. Devant crier, où est la bosse qui crie? Laquelle crie? Combien nous frisons de la côte? Longtemps, nous disons maman de nous, papa de nous, à la côte voisin. J'ai moi, maman, j'ai au God, ça, demain, quand nous visons, nous venons prendre. Puis, nous frisons, frère. Longtemps, pas, nous frisons. Viens avec moi, tu peux faire. Tous les grands matins, il y a un mensonge qui passe. Il va encore dire. Quand vous avez parlé de la vie, quand vous avez parlé de ça, encore dire, ça qui vous servit quand matin là, bah il a vu le subscrit de ça la frère. Un aliment là, les deux ont la viande. Longtemps, acheter la viande, disait dit. Là, je ne sais pas tout du monde qui a acheté. Une fois par semaine, et là, une fois par quinzaine. Parce que nous allons manger la viande de vendredi, zizi, la bateau a coupé. Du monde vivre seulement, frère. D'une vivre. Azodi, qui vous dit? Comment faire vivre l'un fait le nous, frère? Si un Abou Bakr, dans une manse, l'eau sur la faim, parce qu'il te fait faim. Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, Allah pour questionne toi l'eau là. Ou Abou Bakr, toi, mais moi je dis vrai. Qui fait un ouako quand nos enfants peuvent quitter manger, nous ouako peut dire lui, pas peine travail n'a acheté ça. Qui vient te dire lui, Allah qui n'a voulu ça pour toi. Qui vient nous pas sans dire frère. Parce que papa il travaille là. Il a habitué à trouver papa quand il travaille, gaspille, casse, à ses cigarettes, à ses ça, il a habitué à trouver, hein? Mais pas qu'à sa tête qui te mangeait. Pas vous, aucun effet le lit. Qui ou attend ou capable de convaincre les enfants là, quand ils connaissent papa travail, habitué à prendre casse faire, ben quelque chose qui est interdit, mais qui n'a pas besoin de manger pas. Non. Ça qui te peut quitter là, Allah qui nous donne toi ça. Il dit qu'il te répondre au lit. Moi, Moses, le moyen, moi, mon garçon. Qui veut nous pas dire ça, frère? Qui veut nous couper et dire ça? Maman, depuis après la salle, fait du bout de divan, dit fait. Il cuit ça pour toi, te parler manger. Qui veut nous dire ça? Qui veut nous pas dire ça? Maman, depuis la salle, il cuit ça qui Alain a envoyé pour nous. Maman, prépare ça parce qu'Alain a envoyé ça. Il dit qu'il te répondre avec Allah, alors. Parce qu'il y a un monde qui a répondu non rien. Comment est-ce qu'on pense les petits manger là? Au fur et à mesure qu'il y a le comprendre, il y en a pour rendre compte pour ça. Avant de tirer, il y a un peu à l'os. Elle ne va pas faire gaspillage. Sans se livrer. Arrête de montrer nos enfants, c'est nous qui amènent quelque chose dans la case. Nous pas non rien, non. Montrez-les, c'est Allah qui peut donner nos parents. Donc c'est pour ça qu'on va nous dire, nous vivons avec le livre d'Allah de toute sincérité, c'est quand nous méditons l'eau là. Et pareil comme ça, même le troisième, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça quand nous passons l'eau sur droit, l'eau sallallahu alayhi wa sallam, nous sommes ensemble, sur l'autre qui nous donne nous suivre, sur l'interdiction qui nous vient interdire nous reste loin, nous pas adorer Allah, excepté de ce qui nous enseigne nous.
Nous pas adou Allah excepté de ça qui les fin enseigne nous. Veut dire nous pas l'invent ibadat. Nous pas l'invent ibadat frère. Nous prenons un simple exemple. Ou al faire umra ou gagne de l'eau zamzam. Parce que nous prenons les 80, l'année 90, l'an 2000, 2010, ok. Ou vin kote famille là, alhamdoulilah, les coupés tranchés. Imaginez-nous dans ce 10 litres qui tirent de nous là. À celle là, c'est mine 5 litres. Les honneurs ou les tiennent tigit de nous. Arrive l'an 2018, 19, 20, il y a Covid là-dedans. Ou trouve un vini de le chifa. Hein? Que t'en a gagné, c'est ça là. Et même puis dans ma dîne. Mais l'année 2010, que puis la tchété. L'an 2000, que puis la tchété. En, il y a de l'ozamzam, puis il y a de le chifa, tout. Qui n'a rien, frère? Si tu as un lot de l'eau, premier qui t'y besoin qui nous fait nous comme ça, c'est que ça n'a. C'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Si tu as un délou, l'eau la terre qui t'y boit dans la grande vallée, premier qui finit de nous, ça c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chef et sœur, Mazin sa juif là, il dit, hé, tu prophète là. Non, il n'y a pas de quitter, hein? Il dit, non. Il dit non, il n'y a pas de quitter ni d'enseigner tout là-dedans. Il dit oui, il enseigne tout. Qui fait pourquoi il veut dire ça? Parce que ça, Sahaba là, peut expliquer comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam explique nous quand le toilette, comment bien faire. Comment il explique nous, rentre dans l'hypégos, qui direction toi assiser, pas t'ordre, pas causer, quand tu finis, comment tu laves-toi, ou bien comment, qui bande qui se t'a servi? Il dit, ton prophète là, non, il n'y a pas de quitter, il n'enseigne nous tout. Juif fait étonné en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sur l'enseignement. Azouti kote la ge hadilou la toi. Si vraiment il y a une guérison, ça c'est bien fini qu'on fait nous connaître d'ordine frère. Sans compter qui? Il y a de l'eau zamzam. Veut dire, est-ce qu'il y a de l'eau qui vient même niveau avec de l'eau zamzam là? Comme les hadith montrent nous bien fait de le zamzam. Mais qui hadith qui montre nous hadith le chifa là sur Valia Los? Nous pouvons dire nous sincères envers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ok, de qui façon? Pas juste pour mettre Muhammad dans nous, non. Pas juste pour mettre Muhammad dans nous, nos enfants, nos petits-enfants. Mais aussi de suivre ça. L'enseignement, nous pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala, excepté de façon qu'il finit en enseigne-nous. Ensuite, pour ban imam, et ban imam en premier, chers frères, nous dit, dans l'islam, islam, un imam, c'est pas celui qui dirige namaz. Oui, celui qui dirige namaz appelé imam. Dans le sens qui, lit devant, et ben les autres peuvent suivre lui pour faire recours, pour faire sijda. Mais un imam, comme Allah subhanahu wa ta'ala mentionné dans surah 25, surah Furqan, quand nous dit Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyatina qurrata a'yun wa ja'alna lil muttaqina imama. Oh nous Rabb, fais-nous une satisfaction de nous léger quand nous guettons nos bonnes madames, nous guettons nos bonnes enfants, et fais-nous venir un imam pour ban qui n'a ta quoi. Imam Bukhari, rahimahullah, dit al-imam, un imam, c'est lui qui suit, ban qui avant lui, et ban qui après lui, prend lui comme un exemple. Ça, un imam. Un imam, c'est lui qui suit, ban qui avant lui, veut dire ban savant qui est avant lui. Ensuite, ban les autres, prend lui comme un exemple. Quand nous peut dire ou imam Bukhari, imam Muslim, imam Ahmad, ce n'est pas qu'il m'a dit je ne fais imam, mais seulement dans autres époques, dans autres endroits, dis-moi quand il y a un problème d'ordine, il y a imam Ahmad qui répond à toi. Il y a imam Malik qui répond à toi. Ça qui est imam là. Ça qui peut référer à imam.
Ensuite, l'imam, il vient celle lui qui a la tête de un endroit, de une place, d'un pays. Le ban erré qui dit peut faire, ça qui peut faire n'est pas bon. C'est pour ça que le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam dit à nous, plus grand djihad, c'est nous avec un imam, nous dit à lui, comment lui était un tyran, ça qui peut faire n'est pas bon. Nous là pour conseiller eux. Et pareil comme ça même, dernier, wa'amatihim, et tout ban du monde. Veut dire tout ban musulman. N'importe qui du monde vini, nous trouve lui, il nous fait un erreur, ou bien nous connaît, il fait un erreur, nous conseille lui. Et là, chers frères et sœurs, nous rappelons autre parole Imam Ahmad, rahimahullah. Ça, il n'est pas appliqué le ban qui est sous nos responsabilités. Ban qui est sous nos responsabilités, ça ne vous besoin impose aux autres quand je peux désobéir à Allah. Ça peut être un choix. Mais seulement un djimoun, en général, ou à matihim, il fait quelque chose qui n'est pas bon, mauvais et meilleur moment, mauvais et quand il est tout seul, je choisis une plus bonne parole, je choisis une plus petite phrase qui est là, je choisis cette chose-là avec lui pour rappeler lui. Ensuite Imam Ahmad, rahimahullah, dit nous, quand nous conseillons un djimoun, nous laissons-le. Nous pas redire la deuxième fois. Nous pas redire la deuxième fois, laissons-le. Qui fait? Il dit parce que la première fois que tu ne conseilles, tu ne conseilles la cause d'Allah. Ça qu'il peut faire là, pas bon. Deuxième fois que tu conseilles, tu conseilles la cause première fois que tu dis aller. Tu as l'intention de sens là. Rappelle que nous retournons 20 minutes après avoir fait un erreur qui nous désaccorise. Et le falamo baptisé, tu n'as pas fait. Nous commençons comme ça. Nous commençons comme ça. Mais la cause d'autre fois là, te dire que cette fois là, on ne peut pas faire, mais Allah côté à l'os. La loi dit côté à l'os. Non. Nous démarrons même pas comme ça là. Nous voyons le dire, le fois là, on ne peut pas faire ça. Mais on veut dire le mot premier fois là, qui devait baser à l'os. Non, frère. C'est pour ça que Imam Ahmad, rahimahullah, nous conseille une fois, ensuite nous laissons. Ça, une fois là, il suffit qu'il nous descende nos responsabilités côté Allah. Si nous pouvons insister, nous pouvons sauter l'eau, les conseils pour Allah, nous pouvons venir l'eau, tu papa écoute-moi à l'os. Ah ben, vous n'avez rien à dire, moi? Et ça, c'est pas une erreur qui facile, nous tombons là-dedans. Un frère avec moi, tous les jours, je me côtoie, il dit, moi, ça qu'il peut faire là, pas bon, moi, j'y ai. Il dit, écoute moi-même. Ce n'est pas toi qui dis bien écouter. Il dit, écoute Allah. Ce n'est pas toi qui dis bien, qui dis bien écouter. Et pour une petite chose qui nous passe là rapidement, chers frères, sans aucun doute, nous vous trouvons qui dit l'islam, l'indigne qui amène nous pour conseiller les autres. Je suis tout le 5 là. Donc, quand nous trouvons ça 5 là, nous trouvons en général, finalement, presque tout là-dedans. Suivre l'eau d'Allah, suivre ce que l'on dit dans le Coran, suivre ce prophète, corrige ban qui est à la tête de nous, et ensuite tout ban musulman. Et pareil comme ça même, ça c'est pour moi ban quelque chose qui peut amener nous pour préserver nos dignes. C'est le conseil. Pas juste ça. Mais seulement, parmi quelque chose qui préserve nos dînes, c'est nous prendre conseil et nous donne conseil. C'est pour ça qu'un de nos sahabas se dit, le pape parmi nous, c'est lui qui peut accepter quand les autres conseillent. Quand on vient à regarder du monde, frère, quand on dit comme ça, on a dit que vous avez fait. Il finit un côté, il finit monter au lit.
Aujourd'hui, il finit, ferme la moitié de la porte, un bâton fermé là. Et toi, je dis, non, le fameux trouve. Il ferme déjà un bâton en place. Il ferme des bâtons en place. Ou pas qu'au causé. Qui, au fait, c'est un des bandes qui tire, qui pour préserve, nous dit, sur les contraires, chers frères, c'est que si vous ne conseillez pas un dimon, en deux mots, vous trahissez. En deux mots, vous trahissez. Dites ça comment venir de dire. Retournons à ce hadith là. Hadith là, c'est quoi? Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, une fois parlé de Baza, nous terminons là pour aujourd'hui. Il parlait de Baza, il trouve un tam. Les temps, il met la main en dents. Il trouve un qui est un peu mouillé. En dehors, il veut dire un sec là, un qui est bon là. Il met la dent en bas. Je suis là, mais j'avais quitté ça. Il dit, la personne dit non, mais. Non, premier, il dit, qui est la propriété? Il dit, mais qui est arrivé ça? Il dit, non, on donne là un peu, comment, mais on dit, là, bon. Il veut dire qu'on quelqu'un pour prendre, il peut mettre tous les deux en. Ensemble. C'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man rachana falaysa minna. C'est lui qui trahit nous. Il n'est pas parmi nous. Il n'est pas dit l'islam le manger, c'est le malin. Il n'est pas dit l'islam le la vente. Mais seulement depuis sa haditha, nous gagne gravité de la trahison. La trahison, c'est quoi? Je trouve mon frère qui me dit mon frère, je trouve mon sœur qui me dit mon sœur, je trouve lui pour couler, je trouve lui pour rentrer dans un trou, je trouve lui pour tomber dans un précipice. Tenez, je vous vois dire, allez, moi je prends ça là, les cavaliers de cause en moi. Parfait, non, il ne va pas le dire lui. Allez, dis-lui toi. Mais pas reste tranquille, c'est une trahison. Tu as déjà connu sa garçon qui n'a pas eu des mains contre moi, fille là, comment elle était. Tu as dit à moi, mon frère, et tu laisses moi, fille là-dedans. Faut, c'est qui tu peux arriver. Moi, tu peux arriver qu'aujourd'hui, toi. Mais seulement au fond de toi, tu as bien fait là, oui, non. Tu peux trahir moi seulement. Parce qu'il est contraire de sa conseil qui te vous donne moi là. Tu peux pas me donner, mais je te trahir moi là. Veut dire, tu ne trahis moi. Dans un seul hadith, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam amène l'autre face de la roupie. Ici, tu as le conseil, l'autre côté, tu as la trahison. Soit tu conseilles, soit tu trahis lui à l'os. Parce que si vraiment tu es sincère, tu as la nasiha, qui conséquence pour une, pas de ton ami. Ça qui trouve de ton ami, tu as un frère, un sœur, puis elle fait un erreur, puis elle tombe dans un trou. Tu l'as pour rappeler. Inch'Allah, notre semaine, chers frères et sœurs, nous avons pour vivre un droit qui est un non-musulman et un dans l'islam. Surtout comment nous vivons dans un endroit, nous vivons dans un pays, nous côtoyons comme non-musulmans. Quand nous sommes dans l'islam, nous avons un droit. Pas nécessairement dans un pays islamique, même dans un autre pays, pas nécessairement la cause dans un endroit que tigit musulman, même notre majorité, même nous majorité, ça ban du monde et n'a ban droit le nom, ça s'accroît avec nous, Inch'Allah, l'autre semaine, wa sallallahu ala nabina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa salamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh.